Mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver. Attention à ces orages encore localement violents dans le nord-est du pays pour ces prochaines heures. En ce dimanche, les orages étaient violents, notamment du sud-ouest en remontant vers les frontières du nord-est. Et pour demain, petit à petit, une goutte froide va venir s'installer en plein milieu du pays avec une baisse des températures qui va se faire au fur et à mesure. Alors, nous étions en vigilance dans le nord-est du pays en raison de ces phénomènes qui peuvent être localement violents. Ça sera encore le cas pour ces prochaines heures. Donc, soyez vigilants dans le nord-est ainsi que vers les régions centrales. Un ciel bien nuageux avec des averses nombreuses de la Bretagne jusqu'à l'Île-de-France. De part et d'autre, on retrouvera quelques ondées. Un temps beaucoup plus calme cette fois-ci vers le sud-ouest du pays. En matinée, vous allez retrouver de belles éclaircies. On va commencer par ça dans l'est. Un ciel bien gris au nord de la Seine avec des pluies continues. Quelques averses localement orageuses en descendant vers le massif central. Et dans l'après-midi, les averses orageuses vont se généraliser. On va retrouver quelques poches d'éclaircies dans le nord-est, sur la façade atlantique ou encore autour de la Méditerranée, et plus de grisailles le long des côtes de la Manche. Les températures en matinée, elles continuent à baisser. 12 degrés à Brest, c'est la minimale. 18 degrés du côté de Strasbourg ou encore de Lyon, jusqu'à 21 à Marseille. Et dans l'après-midi, on perd encore 1 ou 2 degrés localement. On aura 28 à Strasbourg, 27 degrés à Lyon, 23 degrés à Paris ainsi qu'à Bordeaux, 15 petits degrés seulement sur le Cotentin et jusqu'à 29 degrés sur la Corse. Pour la suite, nous allons passer en dessous des moyennes de saison à partir de mardi et tout au long de la semaine avec des averses qui s'annoncent encore bien nombreuses sur le pays. Pour mardi, nous allons retrouver des averses orageuses quasi généralisées avec de la grisaille dans le nord-ouest, des pluies un petit peu plus continues, un temps beaucoup plus calme autour du golfe du Lion avec le vent qui va souffler jusqu'à 60 km/h, une moyenne de 18 degrés seulement sur le nord du pays, 22 dans le sud. Pour la journée de mercredi, vous allez retrouver ces ondées essentiellement dans le sud. Petit à petit, retour des éclaircies sur la moitié nord de la France. Jeudi, on retrouvera de moins en moins de précipitations, de la grisaille des Pyrénées jusqu'au nord-est. Et vous allez voir l'arrivée d'une nouvelle dégradation à partir de vendredi par le nord-ouest. Ailleurs, le soleil devrait dominer et les températures grimper de nouveau. C'est à confirmer, bien sûr, pour ces prochains jours. Je vous souhaite à tous une excellente semaine sur France 2.